Et sur le côté, il y a deux escaliers. Et au milieu, il y a une case qui permet le placement pour les handicapés. En fait, c'est une visite à deux étages, à deux niveaux d'intervention. La première, c'est de venir comprendre quels sont les... quelle est la place et l'implication du handicap dans les projets développés pour la base avancée portée par le GIP. Et la deuxième, c'est de mesurer et d'accompagner les services de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guyane pour la prise en compte des publics handicapés. On a des entrées qui sont larges. Ce qui est très bien, c'est une grande ouverture de 4 mètres, plus de 4 mètres, 3 mètres de haut. Le projet de base avancée, c'est vraiment une lumière. Je rigole quand je dis ça, c'est véritablement une lumière pour permettre à nos personnes en situation de handicap de pouvoir accéder à un lieu public avec une accessibilité pour tous. Donc pour nous, c'est véritablement une opportunité parce qu'on vient d'être créé et on a un projet de base avancée qui va réguler l'accessibilité. On avance, on avance. En 2015, l'ensemble des équipements sportifs comme des équipements publics doit être accessible aux personnes handicapées, hein, quelles qu'elles soient. Et effectivement, nous, dans le domaine du sport, nous avons amené un financement depuis plusieurs années sur justement la mise en accessibilité des équipements sportifs. Même si on a beaucoup de retard dans le domaine, eh bien, on essaie de faire avancer le dossier de façon la plus efficace possible. On va échanger un petit peu sur le développement du handisport, des activités sportives pour les personnes en situation de handicap, donc leur expérience sur l'accessibilité, mais aussi sur les athlètes et l'évolution du handisport en lui-même. Ça rentre intégralement dans ce qu'on cherche à faire au niveau du ministère et, ce que, et les, ça intègre complètement les orientations que Mme Valérie Fourneyron, notre ministre, a données pour l'exercice 2013.